Donc la bâtisse s'achète pratiquement chez nous, mais à un niveau gratuit. D'accord, donc là c'est pas gagner du temps, hein, c'est vraiment bien, bien au-dessus, voilà. Alors là, on vous laisse regarder, on vous laisse admirer ce que vous avez pensé à l'heure, c'est quoi les gens, mais n'hésitez pas. Donc là, pour l'instant, on démarre gentiment sur des immobilisations, sur des contrôles, sur des faits d'articulation, etc. Et les mêmes mouvements s'appliquent sur des attaques avec katana, Voilà, on se rend compte quand même que quand
travail depuis de très très nombreuses années quand même. Alors ce sont des compétiteurs déjà qui m'ont demandé. Alors les kilos, c'est un art martial qui est resté pur dans la tradition, il n'y a pas de compétiteur, il n'y a pas de compétition. C'est un échange, c'est aussi une recherche personnelle. Les principes des kilos, c'est des pratiques qu'on doit pouvoir appliquer dans la vie tous les jours. On va les applaudir, mesdames et messieurs. Merci, monsieur. Cette démonstration ici dans les cours de Palestine en Alpes, on continue. L'aïkido, c'est donc l'art de l'esquive, jamais d'opposition de force, du contrôle en permanence. Et là, maintenant, on en vient à ce que vous disiez, travail au bâton. On appelle le jour, le jour qui. Toujours la même concentration avant. Voilà, voilà, bien rentré dans la salle. Alors celui qui fait l'erreur en premier, il a plus de chance, hein, quand on va bien. Oui, voilà. Ah oui, ça va, c'est très frais, c'est très bien contrôlé, il faut s'engager dans la salle tout en étant vigilant. C'est pas toujours le même qui perd, hein, parce que c'est une exhibition. Oui, 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 non, ça serait bien dommage. Ça serait, oui, ça serait pas marrant. Moi, ça peut être assez violent, hein, quand on tape très fort. Décontrôlé, on sent c'est contrôlé, mais c'est vrai que si l'attaque n'était pas arrêtée, bah, le dialogue s'arrêterait là. Alors, la particularité aussi, c'est que même on a un contre-battant, et on peut se défendre. Vous voyez, il y en a un désarmé. Bon, toujours serein, toujours prêt à intervenir. Et voilà, il y a un échange, j'ai récupéré l'arme. Et très sincèrement, l'arme. Mon partenaire n'a pas encore compris, attaque toujours, et voilà. Déjà, quand même, on voit que c'est déjà quand même très contrôlé. Hein. On anticipe tout de suite l'attaque pour un seul geste qui va mettre l'adversaire en difficulté. Maîtriser, immobiliser. On est dans une projection, et ensuite un. Alors dans votre intervention Aïkido, on vous prend à partir de 11 ans jusqu'à... Ça, il faut un encadrement quand même très carré, hein, je pense. Alors on a des professeurs diplômés d'État, des brevets fédéraux, avec des cours spécifiques pour les jeunes, pour les ados, les jeunes de 11 ans. La tenue en elle-même, vous en parlez. Alors la tenue en elle-même, chez nous on porte la cama, le fait de porter ce qu'on appelle la cama, donc c'est la tenue noire qui cache, qui est faite pour cacher essentiellement les déplacements, le mouvement. Ça fonctionne aussi à un niveau. C'est-à-dire que lorsqu'un maître vient faire un stage et prend invite à un kama, il sait que cette personne sait se recevoir dans toutes conditions, sait chuter, peut être projeté rapidement. On les applaudit, hein, bravo. Alors, avec une démonstration de vous. Sur les attaques, tsuki, les karatéka comme bien. On applique une technique aïkido, bien sûr. On voit qu'il y a, on voit nous, hein, parce que là je viens de voir l'instant, on va pas toujours en bas. On voit beaucoup de gestes au niveau des bras, mais il y a aussi le fait de mettre en avant la jambe pour déstabiliser l'adversaire. On voit peut-être pas normal, mais on a bien réussi. Il y a un engagement du bassin, un engagement des hanches, de façon à avoir les appuis, les accroches, il faut vraiment solide sur ses appuis pour la projeter. Ce que vous disiez tout à l'heure, justement, pour bien regarder pour le voir par rapport à la vie, hein, parce qu'on ne le voit pas toujours. Exactement. Merci, monsieur, bravo. Voilà, on va vous laisser continuer, hein, parce que là on a d'autres associations à voir, bien sûr. Et puis n'hésitez pas si vous voulez des renseignements, donc sans formation. Alors on termine. Allez, on va terminer. D'accord, mais on va rester avec vous. Vous laissez aussi les commentaires. Donc là, pareil, toujours sur un karatéka, enfin des attaques de karaté, les techniques de projection adaptées. Ah, j'ai l'impression que ça va vite, mais à retomber, c'est très long. Sans quand même parfaite maîtrise de cette situation. Ramasse aussi, c'est donc
que 5 disciplines, boxe anglaise, karaté, boxe française, aïkido et judo. Bravo. Alors, je regarde, je pense qu'ils vont terminer par le travail au couteau, donc à l'arme réelle, qu'on appelle chez nous un santo. Même technique, avec un contrôle supplémentaire dans le sens où vous comprenez très bien qu'il n'y a pas de moi là-bas. Désarmé, immobilisé et vraiment. Maintenant, protéger son partenaire. Ah non, au bras comme ça, on a envie d'un pour taper ce mal. C'est vraiment, c'est appuyé. Allez. On apprend sur cette prise qui est difficile à réaliser. Il faut chuter au moment de l'action. Et avec un bras retourné, bon, bah, bien sûr, il faut quand même quelques années de pratique. Le désarmer, récupérer le couteau et puis terminer par la projection, contrôle de l'adversaire, on va dire du partenaire. Changement d'érection qui s'offre vraiment à un moment. On pense que ça va aller jusqu'au bout. Et puis voilà, au dernier moment, l'attaquant intervient pour prendre le temps. On a toujours un couteau à faire. Oui, c'est une forme de pratique de façon à recalmer le jeu, reprendre des distances et permettre à l'autre de récupérer l'arme. Il y a différentes possibilités, on peut le rendre avec la lame orientée à l'extérieur.